Larva Tracker, simplement, il cherche à 180 degrés sur une victime. Mais il va repérer le signal le plus proche, c'est-à-dire le signal le plus fort. Soit le signal le plus proche, soit l'appareil qui a la meilleure qualité de quartz, soit l'appareil qui est le plus récent. Tout ça va déterminer un signal qui va être le plus fort pour lui dans la zone des 20 mètres. Donc ça veut dire que si j'ai deux Arva dans la zone des 20 mètres, lui, il va repérer le signal le plus fort. C'est souvent quand même le plus proche. J'ai deux Arva allumés. Voilà. Donc, il reste bloqué sur celui-là, sur le tracker qui est là-bas. C'est-à-dire que pour lui, ça, c'est le signal le plus fort. Donc là, il cherche à 180 degrés. J'arrive dessus. Je m'approche le plus près de la surface de la neige pour essayer de retrouver la distance minimale. D'accord. Une fois que je suis là, donc soit je suis à plusieurs, soit je sonde, je pose un élément pour indiquer l'emplacement, soit une autre personne se met à creuser. Et après, je vais passer en mode SP. Le mode SP, il va plus chercher à 180 degrés. Il va chercher à 70 degrés dans ce champ-là. Donc c'est une cible. C'est une cible. Mais oui, il va plus verrouiller sur le signal. Il va tout m'indiquer ce qu'il trouve dans les 70 degrés. C'est-à-dire que concrètement, là, il repère encore celui-là, mais c'est très sensible. Et là, je vais pivoter. Je vais pivoter légèrement. Et là, je reçois un signal par là-bas. Donc par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de faire pour être sûr que c'est pas celui-là, parce que c'est peut-être celui-là. Et là, j'avance et la distance augmente. Donc c'est pas ça. Ah, là par contre, j'ai un signal là-bas. Là, j'ai eu un signal à un moment. C'est peut-être le ligne. Oui, là. Et là, ça diminue. Donc là, j'ai vu 6-9. J'ai vu 6-9. C'est pas des mètres. Mais je garde en mémoire la fréquence. Oui. Et je fais à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la direction. Et là, je déverrouille le mode SP. Je repasse en mode recherche normale. Et là, normalement, je dois rebasculer sur l'appareil le plus proche. Donc là, je suis de 7. J'essaye toujours de garder la diode centrale éclairée. Voilà. Et donc là, je suis dessus. Voilà. Ah oui, parfait. Voilà.